sashi puki chukshi meto tram rira plinchini te gen padi sangye shing tu mik te uluai doko nam tashin la shepa shok idam guru rana mandala kami ataya min. Tade nama tade wogi chikti ma mambuchi ma tangne di ane so yenden chu. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la suite de cet extrait, donc de la guirlande des vies d'Arya Sura, énonce 10 des bienfaits donc de l'étude ou de l'écoute. Alors, simplement pour les énoncer, il les dit ainsi, l'écoute est la lampe qui dissipe les ténèbres de la confusion, elle est la suprême richesse dont les voleurs ne peuvent s'emparer, elle est l'arme qui terrasse les perturbations ennemies, l'admirable compagnon qui montre instruction, moyens et méthodes, dans l'abandon elle est l'indéfectible ami, elle est le remède indolore à la maladie de la douleur, elle est l'armée souveraine destructrice des troupes de l'erreur. C'est aussi le splendide trésor de la renommée et de la gloire. Lors de la rencontre de personnes élevées, elle est un être excellent ou suprême. Et dans une assemblée, elle constitue le ravissement du sage. Quand on dit de l'écoute, quelle est la lampe qui dissipe les ténèbres de la confusion? On parle habituellement de deux types de confusion. Un esprit qui est confus quant à la loi du karma et de ses effets, et un esprit qui est confus quant à l'incité, c'est-à-dire la manière dont les choses existent réellement. L'écoute donc est la lampe qui dissipe ces deux types de ténèbres, en fait, ces deux types de confusion. On en dit également de l'écoute que c'est la richesse par excellence, en ce sens que c'est une des seules richesses, enfin une des richesses en tout cas, qui ne peut être dérobée par des voleurs. À la suite donc de ces deux types de confusion mentale s'élèvent différentes perturbations mentales donc qui constituent nos ennemis par excellence et l'écoute, l'étude donc est la meilleure arme dont on puisse disposer donc à leur rencontre. L'écoute est considérée comme l'admirable compagnon, donc qui quelque part nous assiste en nous montrant donc instructions, moyens et méthodes, nous montrant justement ces différents, nous indiquant ces différentes instructions, ces différents moyens et méthodes pour ce qu'il y a quant à ce qui nous est bénéfique et quant au contraire, quant à ce qui nous cause du tort, quant à ce qui nous nuit, pour nous protéger de cela. Dans l'abandon, l'indéfectible ami, dans l'abandon ici, lorsque l'on devra se détacher en fait de tous nos biens,
de tous nos proches, de notre corps, etc., c'est-à-dire au moment de notre mort, lorsque nous devrons abandonner cette vie, l'écoute, donc ce qu'on aura retiré de l'écoute, l'étude, de l'étude, sera donc notre, cet indéfectible ami, cet ami qui ne nous quittera pas. Il est dit de l'écoute. Il est dit de l'écoute qu'elle constitue l'on remède indolore. Par indolore, c'est au sens qui n'a pas d'effet secondaire. En fait, lorsque on est affecté d'une maladie, lorsqu'on souffre d'une affection particulière, on peut prendre tel traitement qui peut arranger certaines choses, mais qui peut en détériorer d'autres. Ici, en fait, c'est par excellence le remède sans effet secondaire qui va pouvoir être appliqué à toutes les maladies. Des émotions perturbatrices, donc sans dommages collatéraux, on pourrait dire. Et lorsque l'on mène un combat, en fait, et donc là le combat c'est vis-à-vis de nos ennemis qui sont nos perturbations, nos méfaits, nos perturbations. Lorsqu'on mène un combat, il faut disposer d'une armée, d'une solide armée, et on la compare, donc cette étude, cette écoute, à cette armée souveraine, donc qui détruit les troupes donc de l'erreur, et sous-entendu donc de ce qui est défectueux, c'est-à-dire notamment nos perturbations. Et lorsque l'on va mener donc bataille, on a besoin. On a besoin de, en fait, de troupes fortes qui soient aguerries, qui soient, comment on appelle ça, enfin, aguerries au combat quelque part, et qui soient donc bien armées, donc dont les armes sont bien tranchées, bien affûtées, enfin tranchantes et affûtées. Et cela, c'est tout ce que permet en fait l'étude, l'écoute. Et donc on peut lancer en fait les troupes de cette armée. En fait, ainsi, procuré par l'écoute, par l'étude, contre justement ces ennemis, donc sont nos perturbations, donc et les méfaits qu'ils suscitent. On dit aussi de cette écoute qu'elle constitue le splendide trésor de la renommée, de la gloire. Ces notions de renommée, de gloire surgissent lorsque quelqu'un est doté donc de qualité qu'il a pu développer justement dépendance de l'écoute, de l'étude. Il va se doter de qualités qui vont lui procurer un certain rayonnement, un certain charisme, et tout cela en fait constitue, enfin est permis finalement grâce à ce trésor donc que lui a procuré l'écoute, pardon. Tene, Yarananda, Tene, Gigi Chose, Audit, Ni Koyalan, Dennis, Jew Sango, Yaram Yamdo, Dovaina, Yamdo Dovaina, Dina Lonian, Soso, Jew Chose, Jew Yabuchi, not Livgiri, Sarabuchi, Kudos, in the Mandi Topatos, this. Le neuvième. Qualité, en tout cas, bienfait qui est présenté, c'est le fait que lors de la rencontre avec des personnes élevées, donc qui ont certaines qualités, qui ont certaines déjà de par leur caractère, de par leurs attitudes, leurs actions, etc. L'écoute donc s'apparente à un être excellent, donc en tout cas tel est un être suprême, donc telle est ma compréhension, donc il y a un point de discussion à ce niveau-là.
Et c'est Yarab. Yarab Nam. C'est les personnes élevées, ça. Yarab. Yarab Nam. Yarab Nam Tanchena. Tu vois, Yarab, c'est ça. Yarab, ça c'est quelqu'un d'élevé, tu vois, au pluriel Nam Tanchena quand on les rencontre. Tédenyam de Chevaï, non ? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Je sais pas. Disons qu'on a une. Voilà, mais sans vous ni Tobaï, non ? Non, c'est ça, oui. Mais il y a vous ni de Tobaï, non ? On verra. Ouais. Donc l'interprétation donc de Ngeshla présentement, c'est que lorsque en fait deux personnes en fait se rencontrent, on discute parce qu'en fait la traduction que l'on avait, et c'est vrai, est étrange. La traduction disait lors de la rencontre de personnes élevées, donc l'écoute est comme un présent de grand prix. Et donc on s'interrogeait, voilà, et le terme présent par rapport à Kye, donc en tibétain, enfin, on va faire du tibétain si vous voulez, mais Kye Gichok, donc, Kye, d'aucune façon, renvoie à cette notion de présent, de cadeau, d'offrande, enfin, ce que vous voulez. Donc on cherche à comprendre. Donc Kye renvoie probablement à Kipu, qui veut dire un être, donc un être suprême. Et donc on peut concevoir, en fait, la rencontre entre deux êtres, une personne donc élevée, reconnue pour ses valeurs, tout ce que vous voulez, et une personne qui est dotée justement de cette écoute, de cette étude. Fait d'elle en fait un être suprême, en fait, de par toutes les qualités, les valeurs en fait qu'elle véhicule grâce à cette écoute, cette étude. En tout cas, c'est l'interprétation que donne Geshe-la pour le moment. Donc on pourra vérifier. Et enfin, donc, parmi les bienfaits ici illustrés, donc, il est dit que cette écoute fait que dans une assemblée, elle constitue le ravissement du sage, c'est-à-dire elle fait le bonheur en quelque sorte des êtres avisés, des êtres sages. Elle les rend heureux. Ici, par exemple, ce point peut tout à fait illustrer ce moment de la vie d'Atisha dans lequel son érudition, finalement, et certaines de ses acquisitions ont fait que dans l'université donc, de Vikramashila, dans lequel il vivait, il enseignait, sa réputation, sa renommée le fit considérer comme le fleuron en fait, des sages de son temps, enfin, non seulement de cette université, mais de son temps, en fait, comme réellement le maître éminent parmi tous. Oh, des. Ta dinde yinda na choba 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 yina ta yinde dinde ta sosole jegi de sin song wa de so wa dinde de ji wa de dinde jing ma du ji yong tu gre ani tar ni sang ji ko ban du tu ya ji yong gre sin song wa de ta ba tam ji ma ko ban du tu ya ji yong gre. Et donc cette strophe finalement est là comme une émulation pour nous émuler, nous a donné intensément donc à l'écoute, à l'étude, ce sens que si à notre tour nous écoutons, nous étudions ce dharma, nous doterons nous aussi finalement de ces différentes qualités, de ces différentes caractéristiques, et par là même finirons donc par ensuite par nous éveiller, par parvenir à la bouteille. Ça donne mon endroit, non? Yoga de la tasse, ça dit va. Tu es dans, tu es ma voilà, je me retiens. Alors, si l'on regarde maintenant le deuxième point, donc quant à la manière de comment écouter un enseignement, après avoir réfléchi à ses bienfaits, on va voir de quelle manière maintenant on arrive à éprouver donc de la déférence, du respect, donc à l'égard autant de l'enseignement que du maître qui le dispense. Et l'on peut prendre comme exemple cet extrait du discours de Kshitigarbha, donc qui dit « Écoutez la doctrine avec respect, avec une foi absolue, ne la dépréciez ni ne la méprisez. »
et quant à l'hommage à rendre à l'instructeur ou à l'enseignant, engendrer à son égard la conscience qu'il est semblable à un Bouddha. Donc là, c'est assez explicite, il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires. Tu l'as dit, tu vas le dire, le texte. En fait, pourquoi ce point ici a toute sa place? Pourquoi est-il nécessaire finalement de chercher à développer ce respect vis-à-vis de l'enseignement comme de l'enseignant, finalement, de celui qui le dispense? C'est que naturellement, si nous éprouvons du respect vis-à-vis de quelque chose, nous lui accordons du crédit, en fait. Et ce qu'il va dire, la chose qui va être dite, va avoir un intérêt particulier et un intérêt particulier pour nous, un impact particulier sur notre esprit. Nous sommes plus réceptif en quelque sorte. Et quand on est souvent invité, par exemple, à faire des offrandes, ne prenons pas ça au pied de la lettre, quelque part. Oui, faire des offrandes peut constituer en des offrandes matérielles, mais c'est loin de se limiter à cela. Et quand très facilement on dit faire des offrandes pour témoigner ou manifester notre respect, ça peut être, et c'est la meilleure façon d'ailleurs de faire des offrandes, peut être d'écouter ce qui a été dit, d'y réfléchir, de l'intégrer et de nous en servir ensuite pour maîtriser progressivement, apprivoiser notre propre continuum mental. Et ça, c'est l'offrande suprême par excellence. Rabdu tambe ten la duk tan tui tuye pe ni nambar che ni gadan tenpa miki taas tabe miki yaguchi taasirwa tsiki duzi thunwa shin sa kuba che jing te jik tu rabdu tangwa shima yi nebe menbe tsiki nyen shin rimru che de che nyen ji sin songa re sirwa. On peut, quant à ce point également, citer cet extrait donc, des terres des Bodhisattvas, donc du Bodhisattva Bhumi, donc d'Asanga, qui déclare que l'on devra être attentif à éliminer arrogance et mépris envers la doctrine comme envers son enseignant, et qu'il convient de les respecter tous deux. Et également toujours de la guirlande des vies, donc d'Aryasura, dans laquelle il est dit « Prends place sur un siège plus bas, engendre la splendeur de la maîtrise, regarde les yeux emplis de joie, bois le nectar des mots, développe le respect, incline-toi, concentré, clair, l'esprit pur, et comme le malade les instructions du médecin, écoute la doctrine ou l'enseignement avec respect, avec révérence. » Et on note qu'à aucun moment il est dit donc écoute l'esprit somnolent ou embrumé en fait, mais au contraire l'esprit bien vif, complètement concentré, clair et pur. Mm.
Et l'exemple qu'il donne est réellement celui donc, d'un patient atteint d'une maladie assez grave, assez sérieuse, donc qui est très préoccupé par son état, qui s'en va trouver un médecin en qui il a toute confiance et qui vraiment prouve énormément donc, de respect à son égard et qui boit, on pourrait dire, ses paroles. En tout cas, écoute avec le plus grand intérêt, la plus grande concentration, oui, toutes les prescriptions en fait, donc, que lui préconise son médecin. Mmh. Et donc ici, l'approche est tout à fait semblable, en ce sens que c'est en se considérant finalement malade que l'on va chercher donc auprès de l'enseignant, que l'on perçoit comme médecin, ce remède, finalement, ce traitement qui est le dharma. Et quand on dit prendre le dharma, prendre le médicament, en l'occurrence ici, donc prendre le dharma, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire l'appliquer donc à notre esprit, nous en servir pour le transformer. Donc venons-en au troisième point, quant à la manière d'écouter l'enseignement. Et donc il nous indique la manière même, donc proprement parler, donc d'écouter cet enseignement, et on fait une distinction donc entre deux aspects, nous invite à éliminer en fait les conditions défavorables à l'écoute qui s'apparenteraient aux trois défauts d'un récipient, et au contraire on est invité à réunir les conditions propices, c'est-à-dire à développer les six formes de reconnaissance. Ce premier point qui nous invite justement à faire en sorte donc que notre écoute ne s'apparente pas, donc ne présente pas l'un des trois défauts que pourrait présenter un récipient est extrêmement important, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Un récipient peut être, on imagine un vase par exemple, ou un pot, comme vous voulez, on peut l'imaginer retourné à l'envers, on peut l'imaginer lui-même maculé, en fait, encore entaché, souillé de ce qu'il avait contenu précédemment, par exemple, et on peut l'imaginer fendu, ou fissuré, ou percé, comme vous voulez. Donc si le vase, tout simplement, ou le pot est retourné à l'envers, on a beau lui verser toute l'eau qu'on veut, on n'arrivera jamais à le remplir. Alors quand est-ce que notre écoute pourrait ressembler à ce type de vase, à ce type de pot, c'est-à-dire être retourné à l'envers? C'est par exemple quand on est là physiquement, mais que l'on plonge, c'est-à-dire qu'on somnole, on tend à s'engourdir et à s'endormir. Ou alors quand on est aussi là physiquement, mais que par contre on est parti se promener à droite à gauche et on pense à toute autre chose. Le corps est là. Mais l'esprit, il est partout ailleurs et... Mais ce qu'il entend, ce blabla qu'il entend, balabala en l'occurrence, qu'il entend, n'est autre qu'une succession de perceptions automatiques, de perceptions machinales, en fait. C'est assez semblable ici, parce que si on imagine un filet d'eau qui s'écoule sur un vase qui est renversé, on entend ce bruit, cet écoulement, glouk, 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 mais qui ne remplit jamais en fait, le vase. Mais là, c'est pareil, il y a le glouk, glouk, glouk du dharma qui s'écoule, mais qui est en perception machinale et qui ne rentre jamais, en fait, parce que notre esprit n'est pas là. Donc essayons au moins de faire en sorte que le vase, en tout cas de notre écoute, soit ouvert, soit tourné dans le bon sens. Donc,
Alors, le vase peut très bien être tourné dans le bon sens, mais il peut très bien être souillé, être entaché encore, avoir mal été nettoyé, on pourrait dire. De sorte que si l'on y verse quelque chose dedans, cette nourriture ou cette boisson ne retrouvera jamais réellement son odeur, sa saveur, parce qu'il sera maculé en fait, donc des tâches précédentes, en fait, de ce qui avait souillé ce récipient précédemment. On dira, oh, ça sent pas bon, c'est pas terrible, c'est pas très bon. C'est un peu ça, c'est ouais. Et donc, qu'est-ce que cela indique ici? Qu'est-ce que cela va illustrer, en fait, ce récipient aussi souillé? C'est finalement le caractère potentiel qui pourrait être impur de notre motivation. Donc, il faut être attentif justement à l'intention qui nous anime lorsque l'on va écouter un enseignement, ouais. Lorsqu'on écoute. Et essentiellement, donc, ce qu'il importe, c'est que notre motivation soit au minimum imprégnée donc, de renoncement, voire même encore mieux, donc, de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. C'est quelque chose qui peut toucher tout un chacun, en fait, à n'importe quel stade. Par exemple, en ce qui concerne des personnes complètement débutantes, ce défaut-là pourrait être celui, par exemple, d'écouter, d'entendre en tout cas cet enseignement qui est énoncé, en se disant tout ça, ah, c'est n'importe quoi, tout ça, c'est des balivernes. Voilà. Avoir ce type d'approche, quelque part, dans l'écoute. C'est pas de dire je ne comprends pas ça, c'est pas de dire ça, j'y crois pas complètement, ou j'ai des doutes. Ça, c'est normal. C'est un cheminement qui est tout à fait normal. Mais c'est quelque part de se fermer d'emblée en se disant, mais ça, c'est n'importe quoi, ou c'est encore des paroles, ou c'est des balivernes. Voilà. C'est d'emblée, en fait, fermer la porte à tout ça. Ça, effectivement, ça rentrerait dans ce type de défaut. Ce qui compte, c'est de se dire sur le moment, je ne sais pas, c'est interpellant, et en fait de l'entendre, et ensuite d'y réfléchir, de s'interroger en fait, quant à cela, de vérifier, en fait, peu importe le temps que cela peut prendre, de vérifier cela. Là, l'approche est saine, quelque part. Parce que lorsque l'on entend quelque chose, immédiatement l'esprit se dit ah mais n'importe quoi ça. Immédiatement l'esprit se ferme en fait et il n'y a pas d'accès, c'est-à-dire le contenu ne peut pas entrer dans l'esprit et l'esprit ne peut pas l'examiner cette chose-là parce que forcément il s'est déjà fermé, il la refuse. Comme autre type d'exemple donc, qui serait illustré par ce type d'écueil, donc, qui ferait que finalement le pot serait souillé, c'est-à-dire notre motivation donc, serait altérée, c'est le fait d'écouter cet enseignement pour en tirer des bénéfices personnels, par exemple au niveau de cette vie-ci, c'est-à-dire pour être reconnu pour quelqu'un qui a du savoir, ou pour se dire je vais enseigner et puis avoir du monde à mon service, ou obtenir des marques d'hommage, des offrandes, toutes choses, une réputation, en fait, tout ce genre de choses. Donc ça, c'était pour le deuxième défaut. Le troisième défaut que peut présenter un récipient, il peut très bien être donc, dans le bon sens, il peut très bien être immaculé, tout à fait propre, mais il peut être fissuré ou percé. Et là, on va rencontrer le problème, c'est qu'on va pouvoir mettre de l'eau dedans, mais ça ne va pas tenir, en fait. Et tout va s'échapper.
ane tembe ma songwa chini dege na ane la rugwas je rugwas tama tama de tsik di ji dege res tema da gang tsik den bora je rugwas den da den bora tama tama tsik tama tama de sem de sing yi res non gang den bora je rugwas. Et ici, donc ce défaut illustre le défaut de mémoire, enfin, tout simplement. Ce qui fait qu'on peut écouter, être présent, écouter un enseignement, et en fait oublier les choses au fur et à mesure finalement qu'elles sont énoncées, de sorte que quand on sort de l'enseignement, à part les quelques mots de la fin, on n'a plus grand-chose finalement qui nous revient à l'esprit, on ne se souvient plus de grand-chose. Et donc à cet égard, vous pouvez y remédier, comme nombre d'entre vous le faites, en prenant des notes déjà, c'est-à-dire au moins en couchant par écrit au fur et à mesure ce que vous entendez pour poser, en fait, garder des traces finalement de ce que vous entendez. Et donc de temps en temps, la tâche ne doit pas vous être facilitée parce que Valérie parle très vite. Donc... De mon côté, parfois je parle longtemps, et puis Valérie, pour rattraper tout ça, va vite. Essayez de rattraper l'histoire, mais. Et donc ces trois points en fait sont extrêmement importants, c'est-à-dire d'être le plus présent en fait lors de l'écoute de l'enseignement, c'est-à-dire avec l'esprit le plus concentré, le plus alerte possible. Ensuite, d'avoir la motivation la plus juste, la plus appropriée possible, et en ayant en fait la mémoire, là encore, la plus vive possible, en fait, en développant en tout cas sa mémoire autant que possible. Et un sutra résume en fait parfaitement ces attitudes à avoir. Le Bouddha nous dit écoutez bien, excellemment et retenez. En fait. Donc écoutez bien, excellemment et retenez. Si l'on regarde en fait ces trois parties finalement de cette injonction, elle nous renvoie en fait à ces trois défauts, pas dans l'ordre justement dans lequel on les a évoqués, mais écoutez bien, c'est quelque part avec la motivation appropriée, avec la motivation pure, c'est-à-dire sans présenter donc d'impureté finalement, sans qu'elle soit souillée votre motivation, à l'instar d'un récipient. Écoutez excellemment, c'est justement pour ne pas s'apparenter donc au premier type de récipient qui sera à
l'envers. C'est-à-dire que votre écoute soit la plus vive possible, que vous soyez le plus présent possible à cette écoute. Et retenez donc que votre mémoire, donc là aussi, soit la plus efficace possible. Donc ça, c'était pour éliminer les conditions défavorables, donc qui s'apparentaient donc aux trois défauts en fait d'un récipient. Maintenant, quant à la manière proprement parlée d'écouter, l'autre aspect, c'est de réunir les conditions favorables, et donc c'est de voir quelles sont les prises de conscience ou les reconnaissances à développer. C'est une attitude mentale. Et quelles sont donc ces six reconnaissances, donc, ou ces six prises de conscience? C'est dans un premier temps donc, de prendre conscience que l'on est soi-même, que l'on s'apparente soi-même à un malade, donc à un patient. La deuxième prise de conscience, c'est de concevoir en fait l'enseignant comme un médecin, comme s'apparentant à un médecin, concevoir l'enseignement comme s'apparentant à un remède, donc au traitement. Ça va ou ça va trop vite? Oh. Que la pratique. Pardon. Que la pratique assidue donc, de cet enseignement, de ce dharma, permet de recouvrer la santé, donc de guérir. Que le Tathagata, donc l'ainsi aller, est un être parfait, ou sublime, comme vous préférez. Et enfin, reconnaître qu'un sabo doit son choupoté de carré, ni tempa. Chéji tu la yurun de neve de chè. Tempa yurun de nea de chè. Sanji qui tempa yurun de nea. Ah, déjà. Et donc, et la sixième reconnaissance est quelque part, en fait, ou prise de conscience, c'est relève finalement d'une aspiration qui est d'aspirer à ce que la doctrine, l'enseignement du Bouddha, perdure donc le plus longtemps. Donc c'est de cette manière-là donc il faut se concevoir en fait les différents aspects de l'enseignement et se comporter finalement en relation avec l'enseignement, c'est ça qui est dit. Et le premier point sans doute donc étant le pivot en fait qui étant le plus important, c'est-à-dire de se concevoir soi-même donc comme un malade. C'est essentiel tout simplement parce que tant que l'on ne perçoit pas que l'on est malade, on n'éprouve pas le besoin d'aller consulter tout simplement. Donc c'est pareil. Et on est de toute façon, c'est une certitude, on est malade en fait. Et on est malade seulement d'affection, on est affecté en fait finalement d'une affection qui est incurable du point de vue des médecines, alors on peut dire traditionnelles, allopathiques, toutes médecines confondues là, de ce monde. En tout cas. Il faudrait imaginer des pharmacies pleines de rayons, en fait, chargées de médicaments pour nous amener à réduire notre orgueil, pour nous amener à réduire notre jalousie, ou d'autre côté, d'autres rayons pour nous permettre d'accroître des vitamines, genre, voilà, ou des probiotiques, pour aider à renforcer notre bienveillance, notre compassion, notre altruisme. La patience. Top qui mène. Top qui mène. Comme vitamine. Dieu maris. Ça n'existe pas. Dieu maris. Dimens. Ta. Susan Nevadi, Menjo, Devag, Menjo, Chayamavadi, Hakuachi Wallace. Nava y m'amouchin. Nazadi, Devag, Menjo, Chayamavadi, Hakuachi.
Et donc, ce qui compte, c'est d'abord donc, de prendre conscience que nous-mêmes donc, sommes atteints donc, de maladies, d'affections, que nous en souffrons, donc que nous sommes malades, d'une part, et que donc, les différents remèdes traditionnels, classiques, en tout cas de sous toute forme, donc, qui sont présentés, sont complètement inefficaces donc, sur ces affections-là ou ces maladies-là. Donc on va en rester justement sur cette prise de conscience là et vous allez peut-être méditer dessus. Idam Guru Ratna Mandala Kamiyatayami. Tini Gom Japsadan, Tini Deval Kaskureta, Ti Rolling Chiadan, Tokju Chiadan, Tizula, Nitana Tini, Dotana Yakuyores. Et je ne peux que vous inviter, en fait, à présenter le même intérêt et le même. Oui, le même intérêt en fait aux différents aspects en fait du payback. Il s'agisse donc de la même façon que vous êtes présent et montrez cet intérêt pour les enseignements ici, mais pour le moment, pour les méditations, pour les groupes de discussion, pour les révisions, pour le travail à la maison. Voilà, enfin que vous soyez oui, que vous ayez le même élan, en fait, pour chacun des aspects, en fait, de ces différents aspects de la pratique, tout ça, voilà. Tous ces aspects sont complémentaires. Merci. Attends.